Score, sponsor officiel des Diables Rouges. J'adore beaucoup les mots croisés. Thomas, c'est quoi ça? Ben, c'est les chiffres. Donc, 0 sur 16640. Si je calcule bien, ça pourrait représenter le nombre de minutes jouées depuis mon début à Bruges. Bon, quelque chose comme 180 matchs. Donc, vous me dire si c'est ça. Pour ce chiffre-là, et le 0? 0 minutes, j'ai mal joué peut-être. 0 carte rouge? Non, 0. Mais c'est fou, 0 carte rouge pour un défenseur, c'est incroyable quand même. Il y a quand même eu 2 ans en tant qu'attaquant, c'est on va non, dire. Enfin... Bon, non, ouais. Mais comme un défenseur, non, j'ai jamais eu de rouge de toute ma vie. Même pas en jeune Non, rien du tout, jamais. Nulle part. Non, je suis propre généralement. Supporter du Standard. Ouais, Fighting Spirit, je dirais, ouais. C'est vrai que des fois, ils aimeraient communiquer leur hargne des tribunes vers les joueurs, donc sur la pelouse. C'est le meilleur public de Belgique, d'accord, pas d'accord? Meilleur public, je veux dire, depuis un petit temps, ils tombent quand même un peu dans la négativité au niveau médiatique, etc. On leur donne plus trop de crédit. Avec l'époque du Châtelet et les quelques débordements, ou bien encore ici à Charleroi, des fois ils sont un peu... un peu limite, je vais dire. Mais bon, c'est sûr qu'un public pareil, moi quand j'étais au Standard et qu'on faisait ramasseur de balles sur les côtés, quand c'était les gros matchs, c'était vraiment une superbe ambiance à vivre. Bruges et Standard, je pense, c'est vraiment le top en Belgique niveau supporter. Okay. Ben, la joie des joueurs Anderlecht, toi, je pense sur le but de... C'était peut-être le but de Prat ou je sais plus qui. Une belle défaite, je vais dire. Hein. On a toujours un peu de mal à Anderlecht, même s'il y avait beaucoup de choses positives à retirer, c'était pas... Difficile à Anderlecht. Ouais, mais c'est souvent un manque de réussite aussi. On voit le premier but, c'est Oscar contre son camp. Le but des équipes, qui en fait n'est pas un but des équipes, puisque c'est De Bock qui pousse là-bas dans son goal. Je dirais à Anderlecht, on est vraiment en manque de réussite. Et vu d'ensemble du village de La Vacherie, ben voilà, mes racines, hein, tout simplement. Hein, toute ma famille vit là-bas, etc. Un petit village de 700 habitants, je pense, plus grand de la commune de Saint-Aude. On tourne tout souvent? Dès que je suis en congé, je retourne là-bas, c'est simple. Les immigrants à Calais, la détresse du monde, je veux dire. Hein, je comprends, je peux comprendre qu'ils essayent de quitter leur... leur pays où c'est guerre civile, etc., sans cesse, pour tout simplement pouvoir avoir une vie et un travail correct. Et mafiosi de la FIFA. Pour moi, des pots de vin, il y en a à chaque table de réunion, dans chaque entreprise, avec chaque direction, dans n'importe quel domaine. C'est une icône aussi, Platini. Ouais, puis c'est une icône, c'est ouais, bien sûr. Ouais, mais bon, quand il jouait, maintenant ici c'est complètement différent. C'est devenu un homme d'affaires plus qu'un sportif. Mais donc, ça dirige ton sport. Ouais, ça dirige mon sport maintenant. Pour l'instant, ça ne me touche pas, donc qui s'arrange avec la justice.